Salut tout le monde! C'est Kerosan3.0 pour une toute nouvelle vidéo FAQ des 900 abonnés. Tout d'abord, je fais une dédicace à Retro Arcade GX, Jérémy 23, Super GG, Dractan, Revers de la médaille, Super Nintendo Boy. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Super Nintendo Boy. Il fait d'excellentes vidéos sur tout qui est là sur les trucs de Nintendo. C'est un excellent youtubeur. Schnaos, Dark Magica, Super Moi 01, le Mister officiel, NTSCCRP, la meuf du game, Serial Neo Geo Killer N5K, Virtu, Luis, Sangaryu, Yak Gaming, le petit Grizzly, Gaming Infinity, Alex Gaming, GGR, IT, Trésors. Je vous mettrai le lien aussi de sa chaîne YouTube en même temps comme elle débrief. Mais elle débrief, mise corps, le Bosniak, change de trou, ça me fume, Robé Drive, Retro Gaming à l'arrache, Cosplayer et Dini Walker. Et je vous fais une dédicace à ceux qui m'ont posé des questions à la FAQ. Et si toi aussi tu veux une dédicace, pour vos amis, pour vos familles, pour votre anniversaire, faites-moi savoir dans l'espace des commentaires. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. 1 après l'intro, voilà les questions au cas où que vous m'avez posées. D'abord, on va passer à la question de Robé Drive, lui qui me les a posées sur Facebook, il m'en a posé 3. Quel est ton jeu vidéo de manga préféré? C'est bien sûr One Piece, que j'ai montré dans la précédente vidéo. Quel est ton manga préféré en livre? C'est bien sûr My Hero Academia. Je vous mets une petite image ici. Quel est ton manga anime préféré? C'est bien sûr Cardcaptor Sakura. Puis nous avons par exemple des questions d'Alex Gaming en vidéo. Il en a posé 3. Je vous mets par exemple la vidéo en même temps. Au cas où. Voilà Alex Gaming. Salut l'ami, c'est Alex Gaming. Alors, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai des questions à te poser, peut-être 3 questions. J'espère que tu arriveras à comprendre ce que je te dis. Alors, voilà, félicitations pour bientôt tes 900 abonnés. J'ai hâte que tu les poses les a. Alors, ma première question, depuis quand tu collectionnes? Voilà. Deuxième question, quelle est la meilleure pièce que tu as dans ta collection? Voilà. Et la troisième question, qu'est par exemple depuis quelle console de jeux vidéo que tu as aimé dans ton enfance? Voilà, j'espère que tu as compris mes 3 questions. Voilà l'ami, j'espère que tu vas me faire mon montage. Je te dis à la prochaine. Je te dis ciao l'ami. Merci Alex Gaming. Maintenant, la première question c'est que la pièce la plus rare au monde, c'est par exemple ma voiture de coccinelle de Coca-Cola que je mets à côté. Voilà. Puis, par exemple, j'ai collectionné depuis mon enfance. Et après, sur la console que j'ai collectionnée depuis ma plus grande enfance, c'est ça, ma vieille Super NES, que je t'ai pas montré dans une de tes photos. Et il y avait même aussi, par exemple, le Super Mario Bros, le tout premier avec Duck Hunt. Avec le Nintendo Zapper qui se branche sur des télécathodiques, qui est utilisable sur des télécathodiques uniquement. Puis nous avons Super Nintendo Boy. Est-ce que tu joues parfois à des jeux vidéo rétro? Si oui, quel te tient particulièrement à cœur? C'est bien sûr le tout premier Chip and Dale que je mets à côté. Question de Jérémy 23. Pourquoi as-tu commencé YouTube?
pour pouvoir faire des défis et tout bazar, même des slams et des vlogs. Question de Dark Magica. Quels sont tes 5 films préférés de tous les temps? Ça, c'est les Harry Potter, les Marvel, les DC Comics, sans oublier, par exemple, les films Moi moche et méchant de Chris Meledandri, comme les films comme des bêtes et tout bazar. Et je n'oublie pas, bien sûr, les Shrek. DreamWorks. Question de Retro Arcade GX. Depuis quand as-tu débuté ta collection de jeux vidéo? Ça, c'est depuis toujours, depuis mes 8 ou 7 ans. Question de NTSCCRP. Est-ce que tu préfères le couscous ou la pizza? Je préfère la pizza comme par exemple pizza margherita, pizza bolognaise, Hawaï ou encore barbecue. Question de Sangariyu. Feras-tu des vidéos sur des villes en mode vlog? Combien as-tu de consoles et quelles sont les consoles as-tu? J'ai bien sûr ma vieille NES. J'ai essayé de retrouver ma Super NES. Encore j'ai 2 N64, 2 consoles GameCube, puis il y a par exemple une Wii, ma Wii U, puis encore par exemple ma PS1, ma Switch, ma PS2, ou encore par exemple ma PS4 que je joue actuellement, ou encore bien sûr j'ai des jeux PSP, j'ai par exemple la première Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, DS Tank, DSi, 3DS, 2DS, et c'est tout. Et je n'oublie pas la Xbox première du nom, j'en ai 2 au cas où. Je vous montrerai la deuxième en vidéo, qui était ma première console Xbox. Et pour les vlogs, au cas où, ça sera oui, au cas où, en ville. Si jamais. Question de Queen Kada. Quelle est ta licence Nintendo préférée et pourquoi? C'est bien sûr, par exemple, les Zelda, les Mario, les Pokémon, et sans oublier, bien sûr, les Kirby, les Donkey Kong et tout bazar. Et j'ai même une licence préférée de Sega, c'est bien sûr Sonic. Voilà. Puis nous avons Noctis. Quel est le jeu qui t'a marqué le plus quand tu étais petit? C'est bien sûr les Super Mario Kart. Question de Pascal Marot. Quel est le jeu de Switch que tu as aimé le plus sur Switch? C'est bien sûr, par exemple, si je me rappelle bien, le titre c'est... Attends, voilà. Les Pokémon Donjon Mystère ou encore Animal Crossing. Pokémon Épée que j'ai pu terminer. Mario Tennis, et sans oublier bien sûr, Mario et les lapins crétins. Kingdom Battle. Question de Ghost Player, quelle est ta plus belle pièce rétro gaming? C'est bien sûr ma vieille NES. Question de Tomioto Soul, Sal, pardon. Plutôt blonde ou plutôt brune, Kevo? Ça, si tu parles des filles, j'aime bien toutes les filles, qu'elles soient, qu'importe les cheveux. J'aime bien, par exemple, ceux qui ont des cheveux que du style manga ou tout bazar, avec des perruques. Je suis pas difficile. Puis, ton top 3 de jeux vidéo. Puis, nous avons, par exemple, les jeux que j'aime bien, c'est... les jeux Crash Bandicoot, les jeux de Spyro, et sans oublier les jeux de course. Ton top 5 de cinéma, c'est bien sûr les films qui vont sortir à l'avenir. Là, je vais en citer que 5. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les Harry Potter, les Marvel, encore les films de Chris Meledandri. Et voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Les films DreamWorks et les films Disney de Pixar. Ton top 3 des vidéos de Kirby 54. J'aime bien dans sa playlist, c'est par exemple virer des jeux de sa collection,
les tests de console vous trouvez envie de grogner, ou encore par exemple ces vlogs. Voilà ce qui conclut notre FAQ de tous les temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez-moi un big pouce bleu, un petit j'aime, un commentaire. Même vous abonner. Je vous embrasse tous de loin. Bye bye!